Bonjour Pierre, je suis heureux de te retrouver donc au cœur de ce congrès des Puericantores ici à Rome. Tu viens à l'instant de chanter la messe ici avec les petits chanteurs franciliens dont tu fais partie à l'église Saint-Louis des Français. Est-ce que tu peux me dire tes impressions sur cette messe? Bah, ça a été une messe assez jolie, surtout dans un cadre aussi somptueux, dans une église bien remplie. Et grâce à mes amis, nous avons pu faire une messe magnifique. Magnifique, effectivement. Merci de ces impressions. Donc, bien sûr, tu vis ce congrès avec tous tes camarades. Est-ce que tu peux tout simplement me donner quelques échos de ce que vous avez vécu tous ces derniers jours? Il y a eu donc bien sûr l'audience avec le pape, il y a eu quantité d'événements. Voilà, donc qu'est-ce que t'apporte ce congrès? Est-ce que tu es heureux d'être là? Ce congrès nous apporte déjà de la joie parce que voir le pape, c'est une chose immense. Et voir d'autres cœurs, d'autres pays, ça nous permet de discuter et d'échanger nos cultures. Comme nous avons chanté dans la queue pour l'audience papale, un chant avec des Allemands et on a pu échanger. Donc ça a été un vrai moment fraternel. Merci Pierre. Bonjour Pierre-Louis, tu fais partie des petits chanteurs franciliens, la maîtrise donc de Stanislas à Paris. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être petit chanteur? C'est une fierté d'être petit chanteur. Surtout d'aller dans des congrès comme ici à Rome, dans des cadres beaux comme Saint-Louis des Français, par exemple les deux Caravage qui sont somptueux. Je vois que tu es cultivé, c'est magnifique, Pierre-Louis. Donc on est presque déjà au bout de ce congrès. Demain, on va chanter la messe de la nouvelle année du premier de l'an à Sainte Marie Mère de Dieu à la Basilique Saint-Pierre. Ça va être un grand moment, j'imagine, pour toi. Oui, surtout avec le pape François, qui a fait d'ailleurs un merveilleux discours hier. Beaucoup de congressistes vont venir à cette messe et les chants vont être très beaux. Tu retiens quelque chose du message du pape hier? Humilité. Joie et prière. Trois mots qui sont bien liés par la foi et qui sont vraiment très beaux, que le pape nous a rappelé. Merci Pierre-Louis. Alors France, nous sommes maintenant à quelques heures de la nouvelle année et tu viens à l'instant de chanter un Te Deum d'Action de Grâce pour l'année écoulée, dans le cadre de notre congrès ici à Rome. Est-ce que tu peux me dire un mot sur ce que vous venez de vivre avec ce Te Deum d'Action de Grâce? On vient de vivre quelque chose d'extraordinaire parce qu'on vient de remercier Jésus pour tout ce qu'on a fait cette année, tous les concerts, toutes les tournées, et de nous remercier de pouvoir participer à ce congrès des Puericantores. Voilà, donc tu es petit chanteur à Saint-Charles de Versailles. Qu'est-ce que représente pour toi cet engagement au sein de ce chœur? Au sein de ce chœur, ça me représente beaucoup parce que j'ai toujours bien aimé chanter. Mes parents m'ont toujours dit de chanter. Et avant, ma mère était ici et du coup, c'est un peu, je reprends le flambeau de ma famille. Magnifique. Merci beaucoup, France. Merci. Thank you.
Bonjour Jean, je suis heureux de vous retrouver au cœur de ce magnifique congrès de Rome. Donc vous êtes bien sûr le président de notre Fédération internationale des Pericantores. Et donc voilà un petit message adressé aux membres de notre fédération française. Ce sera une très belle chose au cœur de ce congrès. Alors Jean, d'abord vos impressions sur ce congrès. Bonjour à tous, bonjour Père Guillaume. C'est une joie bien sûr de voir tous ces jeunes rassemblés ici. Près de 100 cœurs sont rassemblés ici, 19 nationalités différentes. Les chœurs français sont très bien représentés, les chœurs français chantent très très bien. J'ai eu la joie de les écouter, pas tous individuellement, mais un certain nombre d'entre eux. Et donc je me réjouis qu'il y ait cette union, cette cohésion. N'oublions pas que notre marque de fabrique, c'est aussi la famille. Le rôle de la famille des Pericantores. Et donc, c'est très important pour nous que ces petits Pericantores se retrouvent entre eux pour chanter la gloire de Dieu et pour chanter la paix dans le monde. Parce que n'oublions pas que ce congrès est placé sous ce mot-là, la paix dans le monde, et in terra pax, c'est notre devise. Alors merci de nous rappeler qu'on est une famille en ce jour de la Sainte Famille. Exactement. Et donc le pape donc s'est adressé à cette famille des Pericantores hier lors de l'audience. Qu'est-ce que vous retenez de son message ? J'étais très heureux que le pape soit là parce que vous savez que le pape est très fatigué et que jusqu'au dernier moment on ne savait pas s'il pourrait venir. Il était là, je l'ai trouvé même en forme. Et même si les petits chanteurs n'ont pas compris un certain nombre d'entre eux, son message, message qu'on peut lire en français d'ailleurs sur, je crois, votre chaîne, nous avons tous compris déjà au départ qu'il retenait qu'il partait de ces trois mots que sont d'une part la joie, d'autre part la prière et enfin l'humilité. Et c'est un magnifique programme que nous donne le pape. Et je pense, je le souhaite, qu'au cours de cette année 2024, nous tous, président responsable, vous tous, aumôniers, vous tous, petits chanteurs, vous puissiez partir de ces trois mots pour conduire votre vie de petits chanteurs. Nous allons être demain en 2024. Je souhaite à tous une très très bonne année, une année manécantoriale bien sûr, une année, j'espère, de paix. D'une paix qu'on retrouve petit à petit, en tous les cas la paix dans vos cœurs et la paix dans vos familles, c'est cela que je souhaite en premier lieu, et que ces mots du pape qu'il nous a prononcés hier pour nous, Pericantores, nous guident dans notre vie au cours de cette année 2024. Merci de ces mots Jean, et à vous aussi une très belle année 2024. Merci.